Şalam şalakayam şakşul meritam ceram daisme şegulave namo şiçetanya manobistam stapitam yena butare svayam rupa karamayam dadati Vandeyam Sri Guru Sheyukta Parakamaram Sri Gurum Besharam Sri Rupam Sagrajatam Sahaganaragunatam Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kantaradakantanamostute Tapta Kamsanagorangi Radevindavaneshwari Prichabanusute Devi Pranamamihi Hari Priyam Namo Namavanyanya Krishna Prema Pidayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Goradfitse Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devaye Priyaye Keshavasacha Krishna Bhakti Pati Devi Satyavate Namo Namam Panchakalpatarubhyaccha Kripasindubhyayavaccha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namam Namaum Vishnu Padaya Gauranga Prestaya Rupini Shri Bhakti Vibhudaya Bebhoite Namine Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Nandan Samiti Namine Namaum Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Pramodaya Purigo Swami Namine Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Samiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Lashaka Shila Devu Samiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Shivarshabana Videvi Daitaya Kripavaya Krishna Sambandha Vigyana Daine Prabhave Namaha Madhyushvara Premaja Shilupanuga Bhakti Dar Shikula Karuna Shakti Vrihyaya Namostute Namaste Gauravani Shimurta Yedinatarini Rupanuga Virudapa Siddhanta Vantahari Shai Shri Brahma Dvagoja Sarasvat Sampadaya Ki Jai Donc, on va prendre un verset de la Srimad Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 35. Shri Bhagavan Vacham Asamsayam Mahabhao Manom Dunikraham Sharam Abhyachena Tukunteyam Piragena Sagriyate. Le Seigneur Suprême dit, ô fils de Kunti, toi qui as les bras puissants, sans aucun doute, le mental peut être agité et difficile à contrôler. Cependant, il peut l'être par une pratique constante et une véritable renonciation. Commentaire. Dans son commentaire sur la Vishvacharita Thakur explique que le Seigneur Krishna accepte les déclarations antérieures d'Arjuna et détruit sans doute en énonçant ce verset. En effet, ce qu'a dit Arjuna est vrai. Cependant, même si cela prend un certain temps, une maladie chronique peut certainement être soignée, si l'on prend régulièrement une médecine suivant la prescription d'un docteur expert. Pareillement,
Krishna enseigne à Arjuna que l'on peut subjuguer le mental par la pratique régulière du yoga, Abhyas, en accord avec les instructions d'un maître spirituel authentique, et avec un désir constant d'atteindre la perfection. Les écrits védiques nous révèlent que dans chaque âge, le Seigneur apparaît pour donner une méthode de réalisation spirituelle, suivant la capacité des êtres de cette terre à réaliser le lien d'amour qui les unit à lui. Cette méthode est comparée à une médecine qui donne aux âmes conditionnées de se libérer des griffes de la matière et de renouer cette relation d'amour avec lui. Ce qui sous-entend que l'enseignement du Seigneur qui est donné dans la Bhagavad Gita concernant la pratique du Dhyana Yoga est quelque peu différente dans notre âge. Lorsque ce même Seigneur est revenu sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu, il a enseigné que le yoga le plus réalisable en cet âge était le Bhakti Yoga, ou le service de dévotion. Bon, on va s'arrêter là. Le Seigneur de la Bhagavad Gita explique qu'il vient dans chaque âge et il vient pour différentes raisons. Srila Bhakti Siddhanta explique la première raison pourquoi Krishna vient, c'est par amour pour ses dévots. Il y a un très beau dialogue qui existe entre Bhishma et Krishna. Très beau. Parce que Bhishma, il veut que Krishna devienne son conducteur de char. J'adore ce passage-là. Et Krishna lui dit, c'est pas possible. Car Arjuna, c'est mon plus grand dévot. Et Bhishma lui a dit, en fait, c'est faux. Parce que les gopis sont plus élevés qu'Arjuna. Leur sentiment est plus élevé. Et moi, je suis situé au milieu. Entre Arjuna et les gopis. Parce que moi, je te vois quand je te combats. Alors qu'Arjuna, il te voit que de dos. Moi, je vois ta face. Il dit, c'est pour ça, je veux que tu deviennes mon conducteur de char. En fait, c'est la méditation de Bhishma. Mais ça se passe pas non plus. Mais c'est son désir. Hein? Et Bhishma, il a toujours cette méditation. Et même quand il quitte son corps, c'est expliqué qu'un Vaishnav, il quitte pas véritablement le corps. Pourquoi? Parce que son corps est transcendantal. Et c'est comme un lila. Il laisse une dépouille. Mais c'est un lila. Puisque Bhishma, quand il quitte, il paraît quitter son corps, il reprend naissance, il réapparaît dans un univers, hein, à travers Vasu. Les Vasu sont maudits, il reprend naissance dans le ventre de Ganga, en fait, et il refait son apparition constamment dans chaque univers. C'est un Nityasida. C'est bien que la bataille de Kurukshetra, elle a lieu constamment aussi. Hein. Et donc, Bhishma, avant même qu'il paraisse prendre naissance, il est déjà fixé sur Parthasarathi, sur le Seigneur suprême qui est le conducteur du char, et qui tient en fait un fouet dans une main et les rênes dans l'autre. Hein, c'est très beau. Et quand Bhishmacharya Thakur explique une chose merveilleuse, c'est que, alors on répète souvent les mêmes histoires, mais c'est tellement merveilleux qu'on les goûte toujours plus. Hein. À un moment, dans la bataille de Kurukshetra, parce que Bhishma était invincible, on sait que, comme il avait renoncé au trône, son père, Shantanu, il avait donné la bénédiction qu'il pourrait choisir le moment de sa mort. Et donc Bhishma était invincible. Et face à Bhishma, les Pandava, ils étaient vraiment perplexes, quoi. La bataille de Kurukshetra, ça fait 640 millions de morts en 18 jours. Donc, on peut pas imaginer le gabarit
c'était tous des puissants demi-dieux ou des associés de Krishna, quoi. Et donc les Pandava, face à Bhishma, ils trouvaient aucune solution pour battre le camp adverse. Donc ils ont été rencontrer Bhishma. Et Bhishma leur a dit que la seule personne qui pouvait les tuer, hein, c'était un guerrier. Alors je m'en rappelle plus du nom du guerrier. Et dans sa vie d'avant, c'était Amba, hein, qui Bhishma avait pas. Donc Bhishma avait gagné des princesses pour le prince, et une des princesses était déjà engagée avec un prince. Et donc il l'a relâchée, Bhishma. Mais lui, il n'en a pas voulu. Donc elle a pris refuge en Bhishma, et Bhishma a refusé parce qu'il avait fait le vœu de Brahmachari. Et à ce moment-là, la princesse, elle a été voir Parashuram. Et Parashuram, comme elle a pris refuge en Parashuram, il lui a dit qu'il allait obliger Bhishma à briser son vœu parce que pour la dignité d'une femme, il pouvait. Mais il n'a pas voulu. Donc ils ont combattu, et Bhishma a eu le dessus sur Parashuram. Mais il y a une voix divine, en fait, qui lui a dit de pas, comment dire, pas achever, en fait, Parashuram. Parce que Parashuram, c'est un Shaktiavesh Avatar, un Jiva mis en pouvoir par le Seigneur. Et donc, bref, Duryodhana aussi était vraiment pas satisfait. Parce que Bhishma lui donnait pas la victoire. Vraiment pas satisfait. Et il lui a dit, en fait, tu te joues de moi, Bhishma. En fait, c'est ton affection pour les Pandava qui fait que j'ai pas la victoire. Je veux la victoire. Tu dois me donner la victoire. Et là, et donc Bhishma, il a préparé 5 flèches spéciales pour chaque Pandava, pour tuer chaque Pandava. Et donc Krishna, qui sait tout, il a envoyé Arjuna pour piquer les flèches. Et c'est même Duryodhana personnellement qui gardait les flèches pour pas que Bhishma, en fait, trouve un moyen pour s'écarter de son vœu, quoi. Et en fait, quand les flèches ont été volées, Bhishma, il a compris que c'était Krishna. Et il a dit, oh, je fais le vœu que je vais te forcer à briser ta promesse. Parce que Krishna avait fait le vœu de pas prendre, d'utiliser d'armes. Vous savez, quand Krishna se reposait, et quand Duryodhana est arrivé en premier, qu'Arjuna arrivait en second, Krishna a ouvert les yeux en premier sur Arjuna. Et donc, bref, chacun a demandé une bénédiction, et Krishna, il a dit, je fais mon choix. Je mets moi sans armes, sur ça, c'est mon armée, et qui se bat fidèlement et de toute sa force. Et Arjuna, comme Krishna a posé les yeux en premier sur lui, bien que Duryodhana était là, Duryodhana dit, non, c'est moi qui étais là le premier. C'est moi qui ai le droit de choisir. Mais Krishna dit, oui, mais j'ai posé mes yeux en premier sur Arjuna, donc c'est lui qui a le droit de choisir. Et Arjuna, parce que c'était un bhakta, un pur dévot, il a dit, en fait, je veux toi. Et là, Duryodhana, il l'a pris pour un idiot, il dit, mais c'est un idiot! Il prend Krishna sans armes, qui se bat pas, et moi j'ai l'armée. Ah, il était très content, en fait. Mais la vérité, c'est que Krishna, c'est Rishikesh, le maître de sens. Et Arjuna savait qu'en ayant le maître de sens avec lui, le Seigneur, il resterait victorieux. Et donc, Bhishma, le lendemain, il s'est battu avec tellement de puissance, comme un lion, les flèches, qu'à un moment Arjuna s'est trouvé vaincu. Et au moment où il allait achever Arjuna, Krishna, il est descendu de son char, il est resté sur son char d'une manière invisible, tellement c'était vite, et il est descendu, en fait, comme un fou, la façon de parler, hungry, vraiment avec la colère. Il a pris la roue d'un char, comme ça. Et il y avait tellement de sang, c'est expliqué, c'était une mare de sang, Kurukshetra, que le Seigneur, en courant, il est devenu rouge de sang. Ouais, rouge de sang, ça explique. Et là, quand il s'est rué vers Arjuna, vers Bhishma, et Bhishma s'est expliqué qu'il y avait tiré des flèches aussi à Krishna.
Il avait transpercé son armure. Et Vivace Charitakur, il explique que dans cette relation entre Bhishma et Arjuna, c'est une relation d'amour. Et quand Arjuna il lançait ses flèches avec du préma, il lançait ses flèches. C'est très difficile à comprendre. Des flèches tellement puissantes, et Krishna les recevait comme les baisers des gopis. Hein. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, ça? C'est inconcevable. Et quand Krishna s'est rué vers Bhishma, Bhishma, il a baissé les bras, comme ça. Et il a dit, le Seigneur a respecté ma promesse. Et en même temps, il a cassé sa parole pour protéger son dévot. Quel Seigneur merveilleux. Vous vous rendez compte? On est dans des circonstances qui sont inconcevables. On est dans des divertissements qui sont inconcevables pour les gens. Parce que Krishna, il a la douceur la plus douce. C'est expliqué que Krishna, bien qu'il soit Atma Maya, complètement satisfait en lui, il est aussi désireux d'être avec ses dévots, quoi, et d'être subjugué par l'amour. Et l'amour, par exemple, qu'a Radharani est tellement élevé, parce que Radharani, c'est son Swarup Shakti, c'est son énergie interne personnifiée, c'est l'Adini Shakti, c'est son amour. Et quand Radha et Krishna se divisent, c'est une même personne qui se divise. Et l'amour se manifeste. Prema se manifeste. Et suivant que Radharani manifeste son amour dans différentes formes, elle accompagne le Seigneur dans ses différentes émanations. Suivant que le Seigneur met de la douceur ou de la puissance dans ses formes, elle manifeste aussi des formes adaptées. Par exemple, dans les reines de Dwarka en tant que Rukmini. Hein? Satyabhama, etc. En tant que les déesses de la fortune. Radharani se manifeste en tant que différentes sakhis. Elle manifeste différentes émotions. Mais c'est expliqué que même les reines de Dwarka, leur amour ne peut pas complètement subjuguer Krishna complètement. Mais l'amour de Radharani, c'est expliqué que Krishna est complètement subjugué, au point qu'il pleure. Krishna pleure. Krishna, en fait, il est tellement contrôlé par Radharani qu'un jour, cette question a été posée à Vrinda Devi, que fait Krishna? Et elle a dit, il danse. Il danse par le souvenir de tes qualités. Vous vous rendez compte? Les écrits tellement merveilleux, ils disent que quand Krishna vient dans sa forêt, Krishna, il a le teint d'un saphir. Toute la forêt devient de couleur de saphir, petit à petit. Et quand Radharani, elle vient dans la forêt, toute la forêt prend le teint de l'or. Donc, qui peut comprendre ce monde tellement merveilleux? Qui peut comprendre que le Seigneur, qui est tout-puissant, pleure. Allez parler de ça à quelqu'un qui aborde Dieu dans la peur, par exemple. C'est pas possible. Vous comprenez? C'est pour ça que là, c'est aussi très difficile à comprendre. Arjuna est le Sakat Krishna. Arjuna est tellement éternellement libéré. Il n'a pas besoin de contrôler son mental. Il n'a pas de mental, Arjuna. Il a un corps transcendantal. C'est pas une âme conditionnée. Bhishma, c'est pas une âme conditionnée. Mais pourquoi Krishna met cette situation de la Bhagavad Gita? C'est juste pour nous. C'est juste par compassion. Parce que Krishna, bien qu'il vienne dans ce monde, et bien que il faut être qualifié pour être avec lui, il a aussi la compassion. Il aime. Il nous aime. Pourquoi? Parce qu'on a tous une relation particulière avec lui. Au-delà de ce corps, au-delà de ce mental, au-delà de cette intelligence, au-delà du faux ego, il y a la personnalité de l'être. Et dans cette personnalité-là, on est éternellement un serviteur de Krishna aussi.
Les tiens-sida que je t'implément. Ma Prabhu a expliqué ça. Que ça peut pas être enlevé. C'est notre réalité. Donc on a beau aller faire un tour dans mon matériel, expérimenter la maladie, expérimenter la drogue, expérimenter l'alcool, expérimenter la vie sexuelle, toutes ces choses-là, elles ne peuvent pas nous donner une satisfaction. On peut essayer, mais ça donne pas la satisfaction. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un continue, quelqu'un s'arrête pour servir Krishna? C'est les activités passées d'une personne. Sauf que c'est les jours. Suivant nos activités passées, on a acquis une foi. Et cette foi-là, en s'accumulant, Bhaktivinoda Thakur dit, elle donne l'attachement à Krishna. Or, une fois que l'attachement se manifeste, une fois que on a goûté un goût dans le service de dévotion, une fois qu'on a goûté un goût, même si on n'a pas atteint le succès et qu'on revient, alors c'est très difficile. C'est comme si vous aviez goûté un bon gâteau et qu'on vous donnait que des gâteaux rassis. Alors, vous en mangez, mais dès que vous revoyez le bon gâteau, vous oubliez tous les gâteaux rassis. Et ben de la même manière, pourquoi Krishna nous demande de contrôler le mental? C'est parce que ce mental-là, ça peut être notre meilleur ami ou notre meilleur ennemi. Il peut nous faire croire beaucoup de choses. Et qu'est-ce que c'est le mental? Le mental, c'est simplement des couches, une couche qui recouvre l'âme. Le corps subtil, c'est expliqué, c'est comme une bande magnétique qui imprègne toutes les impressions des vies passées. Et avec l'effet des trois gunas, ça nous envoûte. Ça nous fait croire qu'on est beau, qu'on est moche, qu'on est fort, qu'on est un homme, qu'on est une femme. Ça nous envoûte. L'énergie matérielle nous envoûte. Mais celui qui a fait le service de dévotion, Krishna lui donne le souvenir. Et dans ce souvenir, il a une conscience. Bien qu'il est conditionné encore, il a une conscience. Et il se dit, mais moi je peux pas être comme un matérialiste, moi je suis un dévot. Moi, je vais pas perdre ma vie. Vous comprenez? Krishna lui donne une certaine intelligence. Hein, et c'est très important à comprendre ça. Krishna nous donne une certaine intelligence, selon nos vies passées. Et cette intelligence va faire que quelqu'un va continuer dans la matière ou quelqu'un, à un moment, va s'arrêter pour se dire, ça m'intéresse plus. Et là, à partir de là, naturellement, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il se met à vouloir Krishna, Krishna lui permet d'entrer en contact avec des sadhus, lui permet de protéger sa vie, et lui apporte différents éléments pour qu'il puisse progresser. Mais c'est Krishna qui fait tout. Parce que Krishna est dans le cœur de chaque chose, même dans chaque atome. Donc au début, on ne le sait pas. Et on est encore recouvert par beaucoup d'ignorance. Et finalement, on ne comprend pas ce mécanisme. Mais si on continue, et qu'on est sérieux dans la vie spirituelle, à un moment, on va comprendre que cette réalité, elle est dans notre cœur. Que le Seigneur est dans notre cœur. Et qu'il nous accompagne depuis des vies, des vies, des vies, des vies. Bahunam Jamamte. Sabatma Sudhu là-bas. Cette âme-là, c'est rare. Parce qu'elle comprend ce mécanisme. Elle comprend que le Seigneur, depuis des millions de vies, l'accompagne et l'a placée maintenant dans une situation favorable pour qu'elle se souvienne qu'elle est son dévot. Et là, l'amour de Dieu devient effectif. Vous comprenez? Ça veut dire que on a la force, la miséricorde de Krishna pour développer de l'humilité, pour arrêter de se croire le suprême, pour arrêter de croire qu'on nous a offensés,
Et on commence à voir tout comme la miséricorde de Krishna. Et c'est là que la vie commence à être véritablement belle. Parce que quand on voit la vérité partout, la vie devient merveilleuse. Pourquoi? Parce que ça veut dire que bientôt on verra notre vérité. Notre vérité est très proche. Notre relation avec Krishna, elle devient très proche à ce niveau-là. Mais Arjuna, elle lui dit, cette plateforme-là, elle est possible si tu as un véritable renoncement. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, renoncement? Ça veut dire agir pour Krishna. C'est ça le renoncement. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une grotte et qu'on a juste un petit morceau de tissu et on mange des racines parce qu'il faut tout renoncer à tout. Parce que même la racine, tu n'y renonces pas. Alors faut renoncer même à manger, à respirer, à tout. Qui va vivre comme ça? Vous pensez que c'est pour une personne comme ça que Krishna énonce ça? Non, c'est pas possible. Renoncement, ça veut dire simplement agir pour lui. C'est ce qu'il a expliqué quand il dit Savadharma Parijama comme Sambhaja. Il dit laisse toutes ces choses simplement abandonne-toi à moi. Juste le faire pour plaisir de Krishna. Mais qu'est-ce que ça veut dire le plaisir de Krishna à l'état immature? Ça veut dire plaisir de gourou. C'est pour ça qu'on a besoin d'un maître spirituel. Parce que Krishna vient sous la forme du maître spirituel pour établir une relation avec lui. Ça veut dire que le maître spirituel devient l'intermédiaire transparent. Et à travers les sentiments qu'on a pour le maître spirituel, alors Krishna se révèle en proportion. Et qu'est-ce que Krishna révèle en proportion? Les gloires de son maître, de son dévot, dans un premier temps. Parce que sans la miséricorde d'un bhakta, on ne peut pas être introduit à Krishna, c'est pas possible. C'est un dévot qui nous introduit. Krishna est subjugué par l'amour de ses dévots. Vrindavan, c'est comme ça. C'est le dévot qui nous amène à Krishna. C'est pas que simplement on se sert d'un dévot pour après atteindre le but. Non, 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 non. C'est le dévot qui nous amène à Krishna. C'est pour ça que, naturellement, quelqu'un qui est sincère, dans son cœur, il y a une relation qui vient particulière avec un bhakta ou des bhaktas. Parce que on réalise qu'on n'obtiendra pas le succès, de toute façon. Et Krishna le dit dans différents passages. Que ce soit Shiva explique. Il explique que plus haut que l'adoration des devas, c'est Vishnu, mais que plus élevé que Vishnu, c'est Adya, adoration de tout ce qui est relié à Vishnu, dont ses dévots. Hein? C'est pourquoi on doit avoir un soin particulier à se rappeler des Vaishnavas, à méditer sur les Vaishnavas, à demander pardon pour nos erreurs aussi, parce qu'on a toujours un mental pourri, avoir des fautes, etc. Ah, lui. À lui, c'est comme ça, hein. Il y en a quelques-uns qu'on aime bien, mais il y en a souvent beaucoup qu'on, c'est plus difficile. Mais si on veut atteindre le succès, on ne doit pas avoir ce mental qui discrimine d'une manière mauvaise. En fait, la discrimination, c'est le propre du Madhya Madhikari. Le Kanishta, lui, il n'a pas le moyen de discriminer, parce que il est recouvert trop par la matière. Il peut pas comprendre qui est qui. Il va voir un matérialiste, il va dire, oh, c'est un grand dévot. Parce qu'il est altruiste. Il est gentil. Il sourit. Mais lui, ce dévot-là, il sourit pas. C'est pas, vous comprenez? Alors que c'est un grand bhakta qui est en extase, toi, qui est en train de contrôler ses extases. Grave, vraiment grave. Et il se dit, ah, je suis pas très attiré. Par contre, lui, il fait des belles choses, il donne à manger aux pauvres, il fait des hôpitaux, etc. On a une discrimination externe. On peut pas reconnaître la dévotion. D'ailleurs, on voit l'exemple un jour de Mukunda, un grand dévot du Seigneur qui est très cher à Chaitanya Mahaprabhu, qui avait voulu faire rencontrer à Gadadhar un grand dévot, Pundarik Vidyadevi, un grand Vaishnava, c'est Vrishabhanu Maharaj, le père de Radharani.
Et Gadadhar, c'est Radharani. Et quand Mukunda il est venu au palais, Pundari Vidyadevi, il était sur un siège vraiment en or incrusté de joyaux, tout ça, fané par des serviteurs, avec un crachoir en or, avec des joyaux, vraiment l'opulence. Et Gadadhar, il a eu un doute, il m'a dit, mais pourquoi Mukunda, il m'amène voir un matérialiste? Ouais. Carrément, Gadadhar, il s'est dit, mais pourquoi Mukunda m'a amené là, quoi? Tu vois? Il m'avait dit, je rencontrais un grand Vaishnav et il m'amène dans l'association d'un matérialiste. Qu'est-ce que va penser mon Prabhu, ma Prabhu? Tu vois? Et il avait cette peur, Gadadhar, ce doute en lui, quoi. Et Mukunda, il a compris son mental. Mukunda a compris son mental. Et là, il a énoncé un verset qui dit que, qui explique les gloires de Krishna. Krishna a tellement été miséricordieux avec Putana, que même Putana, qui est venue pour lui prendre la vie, qu'elle avait enduit son sein de poison, Krishna l'a acceptée comme une nourrice. Elle atteint Golok Vrindavan, assistant de Mahashoda. Incroyable. Et quand Pundari Vidyanidhi, il a entendu ce verset-là de la bouche de Mukunda, waouh! Il a hurlé. Ses vêtements, ils ont explosé. Il s'est roulé par terre. Les larmes coulaient de ses yeux et tout. Et quand Gadadhar, il a vu des symptômes tant extatiques, il s'est dit, waouh, j'ai offensé un grand Vaishnav, tu vois. Et en fait, il a demandé à Mahaprabhu, parce qu'il s'est dit, la seule façon que je peux me faire réparer cette Vaishnava parade, c'est de prendre refuge de Pundari Vidyanidhi, qui devienne mon gourou. Et là, à ce moment-là, Mahaprabhu est apparu en rêve. Et il lui a demandé de prendre Gadadhar comme disciple. Et Gadadhar était voir Mahaprabhu pour demander son autorisation. Et c'est comme ça que Gadadhar est devenu le disciple, en fait, de Pundari Vidyadini, qui est son père, en fait, Radha Krishna. Hein, le père de Radharani, quoi. Donc, on est vraiment dans des choses tellement extraordinaires et tellement merveilleuses. Donc, il faut cette renonciation, véritablement, et la constance. La constance est très important. Le mental vient nous prêcher, ah, oh, donne-moi ci, donne-moi ça, oh, donne-moi ci, donne-moi ça. On doit dire non, non, non. On doit avoir foi dans les enseignements du maître spirituel, avoir foi dans les enseignements des Écritures. C'est important. Ah, et on doit nourrir l'intelligence. Parce que c'est expliqué que au-delà du mental, il y a le faux ego. Au-delà du faux ego, il y a l'intelligence. Après, il y a le mental et il y a l'essence. Si on veut contrôler le mental et l'essence, on doit nourrir l'intelligence. Si l'intelligence est nourrie, l'ego va s'identifier à un Vaishnav. Bhaktivedanta Thakur dit, c'est la meilleure identification dans ce monde. Brahmana Vaishnav. Vaishnav, ça veut dire éternellement libéré, mais c'est une façon de parler. Ça veut dire quelqu'un qui suit le principe du service de dévotion. C'est la meilleure identification. Or, quand véritablement l'intelligence est vraiment nourrie, que le sang de Bandhagyan vient dans le cœur, on devient un Madhyamadhikari. Un Madhyamadhikari, c'est celui-là qui peut discriminer. C'est ce que je voulais en dire. Discrimination, ça veut dire quoi? Il voit simplement, sans juger, hein, c'est pas un jugement, mais il perçoit la condition des êtres. Il voit les êtres qui ont un problème avec Dieu, vraiment, qui ont la haine de Dieu. Ils ont la haine. Des dévots du Seigneur et de Dieu, ça existe. Il y a les innocents. Ça veut dire que c'est des personnes qui simplement, parce qu'ils n'ont pas assez d'activités pieuses dans leur vie passée,
Ils peuvent pas discriminer. Ils peuvent pas encore croire à Dieu. Mais il suffit simplement qu'ils ont un contact avec une âme plus avancée pour que cette foi se manifeste. Et après, ils voient entre trois niveaux de Vaishnav. Kanishta, qui est l'apparence d'un Vaishnav. Madhyam, là où l'amour de Dieu a commencé à se manifester. Et Uttama, là où l'amour de Dieu est complètement manifesté. Et à partir de là, il évite l'association, il donne la miséricorde, il s'associe et il prend la miséricorde. Voilà en fait la caractéristique d'un Madhyamadhikari. Il se positionne avec le cœur. C'est pas qu'il a une discrimination du mental. Ah, lui, je suis plus grand que lui. Il y a un big devotee, ça c'est Kanishta. Mais c'est son cœur en fait. Son cœur parle. Parce que, en fait, la miséricorde de Krishna est dans le cœur du Bhakta. Quand il voit un grand Vaishnav, son cœur fond avec des larmes. Et il prend la miséricorde. Vous comprenez? C'est pas une discrimination intellectuelle, c'est une discrimination du cœur. Ça, c'est le principe du Madhyam. Parce qu'il y a la graine, il y a le prema, en fait, dans Madhyam. Bhakti Thakur, il dit ça. Il n'y a plus de désir matériel. Adhanam, Ajana Sudharim. Plus de désir pour les femmes, plus de désir pour aller. Même la position de Brahma, il n'en veut pas. Il veut juste atteindre son service éternel. Il n'a que ça dans le mental. Il est prêt à tout sacrifier. Tout, 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 tout. Il peut accepter toutes les épreuves que Krishna lui donne. Tout. Avec joie. En comprenant que c'est la miséricorde. Vous comprenez? C'est ça qu'on doit être au minimum. Parce que cette position-là, elle est une position où on va pouvoir progresser. Parce qu'on sera prêt à être humilié. On sera prêt à être battu. On s'en moque. Parce que dans cet état de Madhyam, il y a des choses qui nous sont révélées sur notre condition éternelle, déjà. Quand on commence à progresser vers Ashakti. L'attachement pour Krishna, il vient pas comme ça par hasard. Il vient parce que Krishna révèle des choses à son dévot. Et quand le dévot reçoit toutes ces choses-là, il confirme avec l'Uttama, qui lui permet d'aller encore plus loin. Et graduellement, il atteint le stade bas, hein, où il peut commencer à véritablement entrer, être introduit dans la demeure du Seigneur suprême. Il est là notre but. Notre but, c'est pas simplement suivre quatre principes et chanter 8, 16, 32, 64 ou plus. C'est pas ça notre but. Notre but, c'est l'amour. Notre but, c'est de comprendre notre nature éternelle. Notre but, c'est le plaisir de Krishna, donner du plaisir à Krishna. Parce que c'est notre tendance éternelle. Et sans développer l'amour pur, sans chanter purement le Saint-Nom, ça peut pas être atteint. On va parler de quelque chose qu'on pourra pas goûter, on pourra pas être satisfait. Or, plus on atteindra le but, plus on sera protégé du monde matériel. Parce qu'on verra la différence énorme entre cette vie merveilleuse, découvrir un monde qui est tellement merveilleux, et voir ce monde qui est simplement comme un reflet. Il n'y a pas de substance dans ce monde. Donc c'est pour ça que on doit progresser spirituellement. Et le progrès, pour progresser, bah naturellement, il faut comprendre ce qu'on fait. Si on comprend ce qu'on fait, alors on nourrit l'intelligence. Et naturellement, on va s'identifier à quelque chose de plus élevé avec ce qu'on était. Et quand les tests vont arriver, parce qu'il y aura toujours des tests, on pourra les tolérer. Le Madhyamadhikari s'est expliqué que il y a encore certaines impuretés, mais elles ne peuvent pas le détourner. C'est-à-dire que même si la concupiscence vient, elle ne peut pas le prendre. Même si parfois elle s'éveille. Il devient comme un yogi. C'est-à-dire que bien que les désirs viennent à lui, il n'est pas perturbé. Il continue. Vous comprenez? Alors que quand on est dans un stade plus bas, quand les tests viennent, ça peut nous ravager complètement. C'est pour ça qu'on doit toujours avoir la protection des Vaishnavas plus aînés.
Parce que les Vaishnavas plus aînés, quand on est testé, quand on prend refuge en eux, alors on peut continuer. Mais si on est seul, au bout de quelques jours, on s'en va de nouveau. Ça va vite, un Maya en 3 jours à nous mange, à nous crache, à nous mange, à nous crache. C'est l'énergie matérielle, c'est inconcevable. Hein? Des Vaishnavas, Krishna a dit cette énergie matérielle, on peut pas la dépasser, c'est pas possible, par soi-même. Ou alors ça va tellement être dur, par un principe complètement mécanique. Mais celui qui s'abandonne à moi, Krishna, il explique qu'il peut aisément en franchir les limites. C'est pour ça qu'il faut étudier. C'est important. Écouter des classes et vivre dans la compagnie des Bhaktas, dans un lieu saint aussi, c'est important. Hein? C'est très 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 important. Adorer la déité. Ces cinq principes-là, chanter le saint nom, et c'est les plus puissants du service de dévotion. Même la pratique d'un, ça amène le succès. Même une légère pratique, les acharyas disent. On en est compte? C'est puissant. Voilà. Merci beaucoup.